Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vous avez bien aimé la toute nouvelle émission des travaux du Walt Disney Studio. Je me trouve actuellement bien sûr au Disney Village bien sûr, et je vais tout vous dire, tout ce qui se passe, tous les changements, c'est tout après le générique. Allô Mike? Oui? N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Bah ton générique. Ah oui, c'est vrai, le générique. Ah oui, hein. Top générique. Le Disney Village se refait une beauté depuis maintenant un certain temps. Depuis le 12 avril, on a eu bien sûr le concept, des concept art du Disney Village. Et c'est dans cette vidéo-là, les amis, que je vais tout vous dire. Janvier 2023, que Planet Hollywood ferme ses portes. Bien sûr, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Tout ce que je peux vous dire, les amis, au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons une balissade qui est réellement au niveau de la porte. Et bien sûr, la disparition des marques a été faite il y a quelques temps. Le Disney Village est en train de se faire une peau neuve. Donc dans quelques temps, les amis, tous les décors qu'on connaît aujourd'hui vont réellement disparaître pour faire place à la jeunesse. Le Kenwood Village ferme ses portes le 8 janvier 2023 pour laisser place à un tout nouveau pub, le Royal Pub. Je me trouve, les amis, devant le Sport Bar, bien sûr, et le New York Style Sandwich, bien sûr. Alors, le New York Style Sandwich qui va fermer ses portes, bien évidemment, pour laisser place à l'agrandissement du Sport Bar. Je me trouve actuellement, les amis, devant la voirie du Disney Village. Mais pourquoi? On va avoir une petite surprise, c'est-à-dire qu'on va avoir les jardins féeriques qu'on a actuellement dans le Grand Parc, vous savez, pour bien sûr l'épisode des 30 ans, bien sûr, vont atterrir juste ici même, et je pense que ça va faire vraiment très 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 beau. Bien sûr, dans la continuité, les amis, des travaux, il y a pas mal de choses qui vont changer, qui vont disparaître, qui vont revenir. C'est notamment le cas pour le Disney Fashion et la Disney Gallery. Disney Gallery qui va partir, bien sûr, qui va disparaître du Disney Village. Et c'est Disney Fashion qui va réellement s'agrandir et prendre sa place. Après tant d'années, le Disney Village était très vieillissant et il était temps justement qu'il se fasse une peau neuve. Je ne pouvais pas continuer, les amis, cette vidéo sans vous parler de la brasserie Rosalie. Je vous rappelle que, bien sûr, avant la Rosalie était le café Mickey, là où vous pouvez rencontrer vos personnages préférés, notamment Mickey, Minnie et Pluto, bien évidemment, et plein d'autres. Actuellement, c'est la Rosalie. Rosalie, une brasserie parisienne. D'ailleurs, vous avez d'ailleurs la vidéo sur la chaîne si vous voulez aller voir réellement comment ça se passe à l'intérieur. Je me trouve actuellement devant le dôme. Le dôme, comme vous pouvez le voir, les amis, le dôme qui est en train de se faire démonter, bien évidemment. Mais pourquoi? Bien sûr, ça va être à la place le tout nouveau McDo.
Donc celui-ci, bien sûr, sera démonté et déplacé, bien sûr, au niveau du dôme. Bien sûr, il comprendra 3 étages et bien sûr, il sera un petit peu plus moderne. Eh bien, je me trouve tout juste devant le Disney Store. Le Disney Store, les amis, bien sûr, qui va être remodernisé et va changer de nom. Ça va devenir le Disney Wonder, bien évidemment. Et puis, bien sûr, la façade va être aussi changée par le même cadeau, quasiment comme tout le Disney, les façades du Disney Village. Eh bien, les amis, le tout dernier point que j'ai à vous parler, nous allons avoir juste derrière moi, bien évidemment, un tout nouveau passage de sécurité, bien sûr, pour ceux qui souhaitent, bien sûr, aller au Disney Village pour, bien sûr, faciliter justement ce passage. Eh bien, les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, moi, j'ai énormément hâte, bien sûr, de découvrir, les amis, les travaux terminés, parce que c'est vrai que ici même, que ce soit Walt Disney Studios, mais au DV aussi, il y a beaucoup de choses réellement qui change. J'espère que personnellement ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement des travaux du Disney Village. Il y a pas mal de choses qui vont changer. J'ai hâte vraiment encore une fois de pouvoir vous le découvrir. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye.